Donc, la timonerie des Celtes. Alors, bah, on a parlé d'un peu tout. On a parlé de blues, on a parlé de Pythagore, de Mozart. Nous voici dans la musique celtique. Est-ce que vous aimez la musique celtique? Oui, plus ou moins. Oui, alors Patricia dit oui, Jean-Louis aussi. Marie-Annick peut-être bien, Franck également, Thibault plus ou moins. Ceci, oui. Ah bon, d'accord, ok. Très bien, voilà. Donc, le petit morceau que je vous ai joué en introduction, c'était de la musique celtique. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Bah, parce qu'en fait, je lance une formation sur la musique celtique. Alors, en fait, donc on va reprendre le. Je vais juste vous partager l'écran. On va reprendre la partie formation, catalogue des formations. Donc, il y a déjà deux ateliers en fait pour apprendre à jouer dans un style de musique particulier. Deux ateliers sur le blues qui ont démarré il y a une semaine, l'autre il y a 3 semaines. Et je lance très bientôt. Il y a déjà deux personnes qui sont intéressées, donc il va falloir démarrer la formation d'atelier en musique celtique. Voilà. Donc en fait, le principe de l'atelier, c'est qu'il n'y a pas de formation, enfin, il n'y a pas tout de suite de formation en ligne comme les autres formations où vous avez directement 6 modules de cours et puis vous êtes tout seul devant votre formation. Là, on est en atelier. Donc, y a pas, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Je ne suis pas obligé de me déplacer chez vous. Enfin, on utilise la même plateforme que ce soir. Sauf qu'évidemment, cette fois-ci, c'est complètement privé. Hein, ce n'est pas un espace public. Mais on utilise le même. C'est aussi facile d'aller dans l'atelier que d'aller dans l'Agora ce soir. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler donc, un cours toutes les 2 semaines pendant 2 heures. Et donc, on travaille un style à fond. Donc, le but, ce n'est pas de faire de vous de grands professionnels de la musique. Encore, si vous voulez le devenir, c'est possible, hein, mais c'est pas l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de vous permettre de vous faire plaisir rapidement à jouer des morceaux, de pouvoir les interpréter avec les effets du style et de pouvoir improviser sur ces morceaux-là. Donc, ça va vous permettre, par exemple, de faire. Alors, je vais juste reprendre ce. Ce, la, comment, la chaîne YouTube Bonjour. .com/ArmoChopin et on va prendre par exemple, ça c'est un des exemples de, c'est pas évidemment le premier morceau qu'on verra puisque le premier morceau, les premiers morceaux qu'on va voir, ils vont être pour les débutants, c'est-à-dire ceux qui sont capables de jouer en note à note les notes naturelles de l'instrument, mais qui ne savent pas encore les altérations. Et en fait, c'est vrai que on peut jouer, quand on connaît les altérations, il y a beaucoup plus de morceaux qu'on peut jouer, mais aussi plein de morceaux qu'on peut jouer, même si on ne connaît pas les altérations. Et notamment dans la musique celtique, ce qui est assez pratique, c'est qu'il y a plein, plein de morceaux justement populaires qui sont justement autour des 3 notes pivot qu'on a vu tout à l'heure. Et justement, on peut faire des choses très sympas. Et là, je voulais vous montrer un petit extrait de Red Hat Boy. Ça, c'est un morceau celtique irlandais. Que j'ai joué il y a très longtemps. Et en fait, alors, je vous disais, ce n'est pas ce morceau-là qu'on va voir en premier parce qu'il y a des altérations dans ce morceau, mais ça vous donne une idée de l'ambiance. Et il y a pas, et donc, l'improvisation, enfin, l'interprétation du morceau, ce n'est pas des choses excessivement difficiles, quoi, et on y arrive assez rapidement. Et ça donne c'est quand même, on peut faire des balades très sympas en musique celtique, mais c'est souvent assez dansant, quoi. Et il y a toujours une super ambiance avec cette musique. Je voulais simplement vous montrer une partie de ce concert. On me voit jouer et improviser sur ce thème. Et franchement, si vous écoutez le public, enfin, le public crier, etc., taper dans les mains, mais il y avait une vraie ambiance autour de cette musique.
Ouais, c'est hyper, hyper festif comme musique. Voilà. Donc c'est voilà, moi j'adore ça. J'adore ça et je trouve que c'est vraiment il y a plein de morceaux très sympas qu'on peut faire et c'est souvent donc à la fois les donc vous avez plein de morceaux comme les Pogues par exemple, un groupe irlandais que j'adore. Vous avez vraiment des super morceaux et c'est souvent un côté enfin très populaire dans cette musique, un côté très festif quoi. Et même les ballades parfois, vous avez des ballades irlandaises qui sont vraiment, vraiment belles, quoi. Et à chaque fois, ils utilisent des modes différents de la musique occidentale. C'est-à-dire, enfin, c'est des ambiances qui sont pas, qui sont vraiment caractéristiques de cette musique. Et j'adore ça. Donc, ça fait des années que, vous voyez, là, j'étais encore jeune à l'époque. Alors, évidemment, ça se voit pas trop. J'ai à peine changé, mais Rachel Place, vous voyez, elle a un peu changé. Et Craig Zapp, pas trop, mais enfin voilà. Donc c'était voilà, c'est un super souvenir. Ça, je sais pas combien ça, de quand ça date, ça, mais il y a très longtemps. Et ça fait donc ça fait des années que je joue cette musique et je me dis bon, il va falloir que j'enseigne un jour cette musique. Donc j'ai commencé de temps en temps, je faisais travailler mes morceaux celtiques à mes élèves. À un moment donné, je me suis vraiment lancé dedans et je me suis dit il faut vraiment vraiment que j'apprenne à jouer cette musique. Je peux vous donner encore un autre exemple de musique celtique. Là, c'est un morceau que j'ai joué il n'y a pas si longtemps, mais c'est voilà, ça fait voilà, ça s'appelle Arkansas Traveler, donc c'est sur un armicando, c'est une baie de course en do, mais bon, peu importe, c'est le principe. Alors, pareil, il y a des altérations dedans, mais ça vous donne des idées de ce qu'on peut jouer en musique celtique. De chez Suzuki. C'est vraiment des musiques sympas. Et en plus, on joue de temps en temps. Je joue en tongue slap ou en octa split, enfin, avec des effets de langue, ce qui fait que ça imite un petit peu les effets accordéon et c'est vachement sympa. Voilà. Donc, si ça vous a, si vous aimez ce genre de musique, donc donc comment ça se passe pour l'atelier? Je vais vous montrer ça en direct. Donc en fait, le principe, c'est que vous participez à un atelier une fois toutes les 2 semaines pendant 2 heures. Et donc pendant 2 heures, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on voit déjà on essaye d'avoir des éléments culturels autour de la musique celtique. Et puis on commence à rentrer dans cette musique en essayant de voir quelle est la structure des morceaux, comment les morceaux sont écrits. On apprend à les jouer petit à petit. Et puis ensuite, on interprète les morceaux, on apprend à improviser, etc., quoi. Et donc, on fait les choses vraiment petit à petit. Et l'avantage des ateliers par rapport aux formations, c'est que bah, je vous ai en direct, donc on avance à votre rythme, c'est qu'à de le dire, quoi. Okay? On avance à votre rythme de croisière. Et donc, en fait, la formation, en fait, elle se fait au fur et à mesure des ateliers. Donc, c'est comme si vous aviez une formation complètement personnalisée, puisqu'en fait, bah, vous avez la formation qui se construit au fur et à mesure des ateliers en fonction de votre vitesse de croisière. Donc, si dans le groupe, tout le monde avance bien, et ben, on avance un peu plus vite. Dans certains groupes, on peut dire, OK, ça, c'est un peu plus délicat, donc on avance un peu plus. Mais l'idée, c'est qu'on a une dynamique de groupe qui fait que ça avance, on avance tous ensemble. Et c'est déjà ce qui se passe avec les ateliers blues. Et alors, en fait, tous les ateliers sont enregistrés. Et vous avez la rediffusion sur votre espace membre. Donc, je vous montre comment ça marche par exemple pour le blues. Hein, donc voilà, le clan des bluesmen, ça c'est déjà deux ateliers qui tournent. Et donc voilà, vous retrouvez en fait la rediffusion des ateliers sur votre espace membre. Il suffit de cliquer
dans le, vous voyez, vous retrouvez tous les cours. Et à chaque fois, vous avez l'accès à la vidéo du cours. Voilà, et des éléments également à télécharger. Il y a aussi des ressources additionnelles. Donc, c'est vraiment, c'est comme une formation. Enfin, c'est une vraie formation, en fait, sauf que au lieu d'avoir la formation toute prête, bah, elle se fait au fur et à mesure, quoi. Et parfois même, ça m'arrive de vous faire des vidéos supplémentaires. Par exemple, là, j'ai fait un cours complémentaire pour répondre à une question d'un élève. Et je me dis, bah, tiens, ce serait intéressant, effectivement, de faire ce cours complémentaire. Donc, c'est vraiment adapté à ce que vous êtes, à la manière dont vous travaillez. Et il y a ce que le groupe fait. Donc, pour intégrer les ateliers de musique irlandaise comme les ateliers de blues, il faut simplement savoir jouer en note à note et être motivé, quoi. Parce que, évidemment, l'avantage des formations en solo, c'est que bah, si vous ne travaillez pas beaucoup et que bon, vous faites un petit peu de harmonica comme ça en dilettante, ça ne va gêner personne. Dans les ateliers, il faut quand même travailler un minimum entre les séances. Je ne demande pas de travailler 2 heures par jour, évidemment. Moi-même, je ne fais pas toujours 2 heures d'harmonica par jour. Donc, je ne vais pas imposer ça aux élèves. Il faut en faire entre 10 minutes et 20 minutes par jour. Donc, si vous faites en gros votre quart d'heure, un bon quart d'heure d'harmonica par jour sur le style, vous êtes capable de suivre. L'idée, c'est pas de... À chaque atelier, on voit pas 100 000 choses. On voit quelques notions, mais on les travaille vraiment. Je passe du temps sur l'explication. Et puis après, voilà, une fois que vous avez bien compris le truc, bah, vous savez quoi travailler pour la séance suivante. C'est comme ça que ça marche. Okay, voilà le principe. Et alors, je vous parlais de cadeaux ce soir. Donc, il y a deux cadeaux en fait. Le premier, c'est que comme on fête les 3 ans d'existence de... Bah, tenez, j'ai remis Rodded Boy ici. En fait, les 3 ans de l'existence de l'école d'harmonica, le tarif pour accéder à la formation est beaucoup plus bas. C'est-à-dire qu'il y a une super, super promotion. C'est qu'en fait, si vous preniez la même formation en cours privé, ça vous coûterait, voilà, ça vous coûterait 488 € par mois. Et si vous faites la formation en atelier, ça ne fait que 49, ça fait 10 fois moins cher. Pourquoi 10 fois moins cher? Bah, parce que justement, comme tout est en ligne, bah, y a pas besoin de se déplacer. Enfin, y a toute une logistique en moins. Enfin, voilà, y a des choses qu'on peut économiser, quoi. Et du coup, ça vous fait... Alors, normalement, c'est comme les groupes, ils font entre 3 et 6 élèves. J'aurais plutôt dû diviser par 4 ou par 6. Et comme je lance cette formation, c'est un peu la tradition dans l'école, chaque fois que je lance une formation, de vous faire des tarifs préférentiels, et ben du coup, c'est 49 € par mois. Et ce que j'ai fait en plus pour ce soir, c'est que je vous offre en plus 5 morceaux en tablature. Donc, j'ai écrit, en fait, c'est des morceaux connus de musique celtique avec la tablature, comme on a écrit tout à l'heure, les notes soufflées, les notes aspirées. Et plutôt, normalement, les tablatures, elles sont à 7 € par tablature. Donc, ce qui fait pour les 5, ça ferait 35 €. Si vous prenez la formation ce soir, c'est 99 centimes. On va dire, c'est 1 € symbolique. Okay, voilà. Donc, le truc, c'est que... Alors, c'est valable pour ce soir. Et puis, évidemment, pour ceux qui ne pouvaient pas être présents ce soir à l'Agora, qu'ils ne soient pas non plus trop pénalisés, l'Agora va être mis en rediffusion demain soir. Donc, j'ai laissé 3 jours, en fait. Donc, pendant 3 jours, si vous prenez... Donc, avant le 3e jour, enfin, il reste 3 jours, 1 heure, 23 minutes et 30 secondes. Si vous prenez cette formation, vous paierez seulement 49 € par mois pour 4 heures de cours particuliers, plus l'accès à l'espace membre, plus le téléchargement des ressources additionnelles, plus les cours complémentaires que je fais pour aider les élèves en cas de besoin. Donc, vous avez tout ça seulement pour 49 € par mois. En gros, c'est l'équivalent d'une heure de cours particulier, quoi. Enfin, en moyenne, quoi. Bon, en moyenne, ça tourne autour de 40 €. Donc, 49 €, vous avez en gros 4 heures de cours plus tout ce dont je vous ai parlé. Et puis, l'envoi des partitions, etc. C'est-à-dire que je ne vous demanderai jamais d'acheter la moindre partition pendant le cours. Si on a besoin de travailler un morceau, eh bien, je vous enverrai tout ça. Ce sera fait partie des ressources additionnelles. Et pour 89 centimes, vous avez directement les 5 tablatures. Et ce n'est pas des tablatures avec des notes très compliquées, avec des altérations, des overblows dans tous les coins. C'est vraiment des tablatures avec que des notes soufflées et aspirées naturelles et aucune altération dedans. Et c'est des morceaux connus, quoi. Okay, donc, ça vous permet déjà, même avant de commencer la formation, ça vous permet de commencer à jouer ces morceaux. Okay, donc, voilà.
Donc les morceaux, c'est voilà, ils sont ici. Donc si d'ici 3 jours, si vous voulez aller voir ça, c'est The Ballad of Armagh, The Black Velvet Band. Ça, c'est vraiment un morceau hyper connu. Corsairs and Muscles, County Tyrone que j'ai joué tout à l'heure, et The Croppy Boy. Voilà, c'est vraiment 5 morceaux hyper connus en musique celtique. Ok? Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien dans la fenêtre de conversation, si vous voulez aller voir ça tout à l'heure ou maintenant. Voilà. Sachant que je ne prends pas plus de 6 élèves parce que l'idée, c'est quand même de. Voilà, le lien est ici dans la fenêtre de conversation. Je l'envoie à tout le monde. Voilà. Tac. L'idée, c'est de pouvoir vous aider, quoi. Donc, je pourrais très bien me dire, allez, je prends 12, 20, 30 élèves parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette musique. Sauf que. Si je prends 30 élèves, le but, ce n'est pas seulement de faire des cours, voilà, ce n'est pas juste un cours théorique. Bon, maintenant, vous avez compris, allez, débrouillez-vous, pas du tout. On est en direct, je vous interroge les uns après les autres, je vous écoute, je vous aide, je vous permets de progresser. Donc, si je prends plus de 6 élèves en 2 heures, je risque de faire comme font certains dans certaines formations. Je ne parle pas forcément des formations musicales, mais moi-même, j'ai eu l'occasion de participer à certaines formations où vous avez 80 personnes dans le cours. Ah, bien, à 80, on est 80. Ah oui, d'accord. Et le cours dure 1 heure et demie ou 2 heures. Et quand quelqu'un pose une question, on lui dit, mais ça fait 5 fois que je pose la question, tu m'as toujours pas répondu. Ah ben non, mais ça défile tellement que je vois pas tout. Ah bon? Et puis le prof finit par vous dire, écoutez, franchement, là, je ne peux pas répondre à tout, je suis désolé, mais étant donné 80 personnes, vous imaginez pas. Donc, reposez la question dans 15 jours, quoi. Et puis reposez dans 15 jours. Puis, ça devient pénible. Et donc le gars nous engueule, mais attendez, moi j'ai jamais demandé est-ce que dans le cours il y a 80 personnes, quoi. Donc c'est normal. Enfin, si on s'inscrit, que c'est pas cher, mais qu'on s'en trouve à 80 et que du coup le prof ne répond jamais à nos questions parce qu'il est complètement débordé, bah, je trouve ça un peu dommage. Moi ça me rappelle mes les cours d'anglais que j'avais en classe de seconde, on était 50, on était 48 en cours d'anglais, j'ai dû prononcer 3 mots sur l'année, quoi. Alors comme à l'époque j'étais timide, ça m'arrangeait pas mal. Mais bon, c'est pas jouable, quoi. Donc, on ne peut pas donner un cours de langue à 48 personnes, c'est complètement absurde. Donc, je limite à 6. Donc, il y a déjà 2 personnes qui se sont inscrites dans l'atelier. Donc, encore, dès qu'il y a au moins une troisième personne, parce qu'un atelier, c'est bien à partir de 3, dès qu'il y a une troisième personne, on peut commencer. Je pense qu'on va commencer de toute façon vers début juillet, quoi. C'est-à-dire que on va pas attendre, je vais pas attendre, on va pas attendre 6 mois. Les cours de blues ont déjà commencé début juillet. Si vous inscrivez maintenant, je vous envoie un email dans la foulée et on sera au minimum 3. Et ensuite, on va définir ensemble évidemment un jour et un horaire qui arrange tout le monde parce que le but évidemment c'est que tout le monde puisse être en ligne au même jour et à la même heure. Puis une fois qu'on a fini de définir l'horaire, il suffit de se voir une fois toutes les 2 semaines. Ok? Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous vous inscrivez ce soir ou avant 3 jours, 1 heure, 18 minutes et 58 secondes, non seulement vous avez le tarif préférentiel de 49 euros par mois, donc c'est pas la peine de s'engager sur 1 an, 2 ans d'avance, hein, c'est un engagement mensuel. Et vous avez en plus, pour 99 centimes, vous avez déjà directement les 5 premiers morceaux.